Très critiqué pour ses prises de position par rapport au coronavirus, Michel Simès se fait plus discret dans les médias ces dernières semaines. Il est revenu sur ses critiques, dans On refait la télé, sur RTL. Omniprésent dans les médias au début de l'épidémie, Michel Simès a depuis pris du recul, un peu à l'écart des plateaux de télévision. Il faut dire que le médecin a été vivement critiqué, notamment sur les réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs lui ont reproché d'avoir minimisé les dangers du Covid-19. À de nombreuses reprises, Michel Simès s'est déjà expliqué. Très affecté, le médecin a même pris son téléphone pour s'expliquer avec certains de ses détracteurs, comme Jean-Pierre Foucault. Invité dont refait la télé, sur RTL, Michel Simès est revenu, dimanche 10 mai, sur les critiques dont il a fait l'objet. J'ai pris du recul. Le médecin star confirme avoir été touché par la tournure prise par les événements. Ce serait mentir que de vous dire que je m'en foutais complètement. Je ne vais jamais sur les réseaux sociaux, mais quand il y a un bashing, il y a des gens qui viennent pour te dire on a dit ça sur Twitter, sur Internet. C'est jamais très agréable, surtout quand vous ne comprenez pas pourquoi, a souligné Michel Simès. Selon lui, ses détracteurs lui feraient dire des choses inventées. Je n'ai pas minimisé. Un journaliste a écrit un jour que j'avais prononcé le mot grippette, et ça a été repris. Je n'ai jamais prononcé ce mot, insiste-t-il, sûr de son fait. Au micro d'Eric Dussard, il explique finalement pourquoi il a décidé d'être moins présent sur les plateaux, et ce n'est pas seulement à cause des critiques répétées. Moi, j'ai pris du recul, parce qu'à chaque fois qu'on m'invitait c'était pour polémiquer sur Raoult, ou ceci, ou cela. Je me suis dit que j'allais reprendre mon métier et que je reviendrai quand les choses se seront calmées. Tôi là biên tập viên Hoàng Biên đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.